Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour l'épisode 7 avec cette reine impérissable de Khemri, les rois des tombes, pour la suite de nos aventures. Lors du dernier épisode, nous nous sommes concentrés sur la faction des fidèles de Nagash menée par le perfide Arkham le Noir. Nous l'avons confronté deux fois aux ruines elfiques et nous l'avons battu, ce qui nous a ouvert la voie pour conquérir complètement cette terre. Donc on a pris le palais du calife sorcier, on finit avec lui. Et là, pour le coup, ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, c'est recoloniser toutes les villes qui ont été rasées, donc Kofer, la Chiec et les îles sorcières. Et pourquoi pas, si nous avons l'opportunité, nous étendre. Donc deux cibles potentielles, El Kalabad tenu par Thunderbolt ou les étangs du désespoir tenues par la dynastie Raka, qui est dans une mauvaise posture, parce que si on regarde bien avec la diplomatie, il lui reste qu'un seul territoire. En revanche, on va devoir faire attention au royaume des dunes parce qu'ils sont assez puissants quand même, on va pas nier. Et ça sera une grosse guerre contre eux pour dominer toutes les terres de Nekara. On a aussi la pyramide noire à récupérer, il ne faut pas l'oublier, c'est notre objectif principal pour cette victoire de campagne. Sinon, concernant les autres lits de Nagash, alors on va voir sur la map, on en a un qui est en mer ici. Un qui est dans les terres du sud encore, mais tout au sud. Un autre est au nord, là il est en train de traverser la mer. Pour aller dans quelle direction, je ne sais pas. Espérons qu'il se rapproche de nous, genre les côtes d'Arabie par exemple. Pour essayer de s'occuper de lui et de récupérer ce livre pour nous. Voilà. Sinon, donc là ce que j'ai fait, j'ai aussi renommé des personnages comme certains me l'ont demandé. Donc le prince Volver, le garde des livres. Je voulais mettre gardien des livres de Nagash, mais j'avais pas assez d'espace. Du coup, Shadow, tu as le roi Walkaf. Wakaf, pardon. Du coup, ça sera ton nom de code Shadow. Wakaf Shadow. Et il y en a une deuxième, j'ai oublié ton pseudo. C'était Vasily, je crois. Donc, si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre en commentaire la vidéo pour me dire si c'est toi ou pas. Voilà. Donc là, on va faire un peu de reconstruction. On gagne pas mal d'argent. Et on reforme nos armées. Faut pas que j'oublie aussi d'aller chercher ce trésor là-bas. On pourrait peut-être avoir de l'argent en plus ou des bonus. Ici, on n'a rien. Il y a quelque chose là, donc on pourrait aller un jour à Sartosa prendre l'île. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Et dans 10 tours, on recherche une nouvelle technologie de dynastie pour avoir une armée supplémentaire. Et on pourra débloquer des bonus pour des unités. Bon, même si on les a pas, genre les charognards et les scorpions, ainsi que les rôdeurs sépulcraux. Enfin, les harceurs sépulcraux que j'appelle les rôdeurs sépulcraux. Donc voilà, on va passer le tour. Cette semaine, je vais essayer de vous tourner deux épisodes de Throne of Britannia pour rattraper un peu le retard, parce que je suis désolé, j'ai pas eu le temps de tourner malheureusement la dernière fois. Donc là, on verra. Même s'il y a eu des mises à jour, j'ai pas retouché au jeu depuis, je verrai ce que ça donne. Surtout que là, je suis en guerre contre un autre Irlandais, au passage. Alors, les Pédus qui gagnent encore un rang. Un très bon serviteur, ce Lipidus, comme on va pas lui cracher dessus. On va augmenter la mobilité de l'armée et on va collecter davantage de vases canopes. Alors au palais, on a de l'ordre public, c'est bien. Si je retire l'armée, ça fait quoi? Présence militaire 20, ouais. Ah oui, quand même. Donc là, on recrute un nouveau char. On a assez d'archers, normalement. J'ai 4 guerriers comme ça. En attendant, on va laisser comme ça. Alors, recrutons un héros. Si je recrutais un prêtre, tiens, pour changer un peu. Ah, Adaya, maître de cérémonie, intégrité plus 2, ça peut être utile. Donc un prince des tombes supplémentaire ici, c'est pas trop fu. Donc si quelqu'un veut être un autre prince des tombes, qu'il le dise, comme ça, ça fera des bonus. Lui, il est du royaume des dunes, ok. J'ai tout de suite allé chercher le trésor avec l'armée de Shadow pour ce que ça peut rapporter. Plus performante au combat, on gagne 1000 de trésorerie. C'est toujours utile. Je vais améliorer leur public ici. Et au passage, ils ont aussi rajouté des icônes avec les mises à jour. Donc pour les provinces avec les pyramides, donc on en a une à la pyramide noire de Nagash, à Khemri, Noumas, Quatar. C'est plutôt bien fait comme système. Alors ici le mont Raknos. Je vais y mettre une garnison. Parce que ce territoire
est assez particulier à tenir. Donc il va falloir faire attention. Le plateau perdu, on n'a pas de ressources. Donc je mettrai une caserne d'infanterie ici, ça c'est sûr. Ah, et encore une pyramide à Kassabar. Waouh. Je vais voir s'il y en a d'autres, mais... En tout cas, ces pyramides coûtent cher à construire, mais les bonus, ça vaut le coup. Par contre, toi, je vais te remonter rapidement aux ruines elfiques. Ils sont assiégés ou pas? Ouais, ils sont assiégés, d'accord, j'ai compris. Pendant ce temps, on recrute une unité là. Je vais peut-être recruter un d'autres guerriers squelettes ici, pour avoir une armée assez complète et recoloniser les villes. Je peux former des objets. Ouais, si tu veux. Une arme, le poignard doré, je l'ai déjà. Talisman. Résistance au feu. On va se faire un petit scarabée solaire, tiens. Est-ce que je vais le donner à qui? Cetra. Est-ce que tu as un talisman, Cetra? Non, mais je vais le donner à l'Épidus, tiens, pour éviter qu'il grille comme ça, on sait jamais. Ah non, je t'ai donné l'objet enchanté, ok. Donc je t'ai donné l'anneau de rubis de ruine et le scarabée solaire, ce qui est plutôt pas mal. Et toi, moins 15% pour les bâtiments d'infrastructure dans la province locale, c'est toujours ça de prix. Au pire, alors attends, je vais faire un truc. Pas de panique. Je vais déplacer à Martek l'armée de Vasilis pour me rapprocher de Koffer dans un premier temps. Et je vais recruter ce char et les trois guerriers squelettes en plus. Ce qui devrait être pas mal. Donc vous risquez pas avoir de combat dans cet épisode, hein. C'est peu probable, hein, je préfère le dire d'entrée. À moins qu'avec Calabad il se passe quelque chose. Mais là, ce qui m'arrange, ça m'arrangerait pas qu'ils prennent le Calabad, parce que pour consolider toute la province, ça risque de mettre un certain temps. Même s'ils m'aiment bien. Après, ce sont que des humains, mais ils peuvent avoir leur utilité. Et je vais surveiller un petit peu aussi le déplacement des factions de transfuges contre les livres de Nagash, enfin, qui possèdent les livres de Nagash. Oh, des traders publics, ça c'est bien. Le mastaba au mont Ventoux est terminé, ok. Du coup, là, il faudra que je fasse un obélisque. Ouais, je vais faire un obélisque ici. Un peu d'ordre public, comme ça on passera à plus 1 d'ordre public, c'est toujours ça d'utile. Je vais améliorer ça pour gagner un peu d'argent. Et toi, tu vas recoloniser, tu vas dans l'armée de Martek, déjà. Alors l'armée, on va la mettre là, pour avancer. J'ai pas mal de guerriers squelettes, bon c'est pas utile. Mais je vais peut-être prendre deux autres chars, ça pourrait être... Ah bah j'ai pas les sous. Ah non, j'ai pas la place, d'accord, bon bah, on va prendre un quatrième lancier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Et l'armée de Shadow, je vais la rapprocher de Thunderbolt pour voir un peu ce qui s'y passe. Oh, il y a des séparatistes ici. Ok. Donc là, on possède El Calabal. Donc si on récupérait Thunderbourg, les étendues du désespoir, là. Ah, la tournoire d'Arcane est assiégée. Je crois que l'armée de Thunderbourg assiège la tournoire d'Arcane pendant qu'une armée du royaume des dunes assiège El Calabal. C'est magnifique. Donc là, ce livre de Nagash, il est là, ok. Et les deux autres, ils sont redescendus vers le sud. Ok, logique. Est-ce qu'on peut faire de traité de commerce avec eux? Je pourrais commercer avec Thunderbolt, mais voilà quoi. Là, en attendant, la guerre, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, s'ils peuvent se taper entre eux et s'affaiblir, moi je dis pas non, comme ça, ça me permettra d'attaquer dans le dos et de récupérer ce qui me manque. Et après, il faudra récupérer la fameuse pyramide noire de Nagash. Et là, il faut que je me concentre sur le territoire de Nekara. Là, pour le moment, c'est la priorité absolue, réunifier le royaume. Pour ensuite aller à l'extérieur, genre Utlan, si j'ai pas tout l'île de Nagash. Alors, vous pouvez avancer. Donc au prochain tour, on recolonise la cité. Ça coûtera 900, ce qui est plutôt acceptable. Donc
là, on termine ici, on termine ça. On va faire des gemmes pour avoir de la ressource. Et ça va nous donner des bonus commerciaux. Alors, là on va faire un quartier mortuaire pour augmenter la portée de campagne des armées de la province. Donc là on va recoloniser Koffer, ensuite la Chèque. Alors qu'est-ce qu'il me veut lui? Non, je vais pas rompre en... De toute façon t'es le prochain sur la liste toi, donc on s'occupera de ta cité plus tard. Ah, Thunderbolt n'existe plus, donc ça veut dire qu'ils ont pris El Calaban. En revanche, les séparatistes là, ils sont en train de monter en puissance. Donc on peut espérer une petite attaque, peut-être fructueuse. Alors, Koffer, premier objectif. La côte d'Arabie est à nouveau sécurisée. On reconstruit la cité. Et on passe nos niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va booster... Servez-moi. Attaque éclair. Et on va rajouter plus de munitions pour les archers. On va mettre l'ordre culte d'Azaz, qui va augmenter leur public et l'intégrité dans la province. Ce qui va bien nous aider. Alors, qui c'est qui a pris un Cetra? Alors. Au rang 19, donc on rushera les 3 pour le char des dieux et être tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va booster réputé et craint, ça donne des boosts de portée de campagne, d'expérience d'unité. Ressusciter pour régénérer les combattants. Et... Ah, ça peut être pas mal. Pour booster toute la résistance aux projectiles de nos guerriers. Quand ils auront des grades élevés. La Chèque est loin, les îles sorcières aussi. Est-ce que je ramènerai... Si je retire un Metsetra, je perds leur public. Ouais, Shreka... Je suis à moins... Je serai à plus 2. Ils sont en train d'assiéger les rebelles. C'est marrant ça. Je vais rapprocher mon armée quand même, on sait jamais. Ah, je suis à moins 5, dommage. Mais bon, la recolonisation, ça va aider, vous inquiétez pas. Ah, on n'a plus d'accord commercial avec eux, logique, ils se sont fait détruire. Par contre là j'ai pas vu mais il y a deux trésors, je vais essayer de les récupérer avant d'aller partir pour la Chèque. Une alliance défensive avec toi? Non. Ah non, vu ton état de situation ça me mettra en mauvaise posture contre le royaume des Dumes, c'est hors de question. Alors on possède les trois ressources suivantes pour la lame bénie de Ptah, donc le marbre, l'isle dorée et les gemmes. Ah bah. Avec cette roue, il va falloir tuer 1000 ennemis au combat. Alors, on lui présente un plan pour la statue. Elle mesure 60 mètres de haut. Il représente le roi dans sa jeunesse, brandissant dans une main la lame bénite de Ptah. Elle ressent un accès de plaisir qui change très vite en rage. Sa lame, toujours dans son reliquaire, afin que personne ne lui la dérobe pendant son sommeil. Il doit la récupérer, mais d'abord, il faut plus d'ouvriers pour terminer la statue. Cette roue exige un mage sacre. Donc, on doit lui tuer 1000 ennemis au combat. Wow. Ok, bon. Bah, je pense qu'au prochain épisode, on va y avoir de l'action pour récupérer pour cet objectif. Je vais mettre plus performant en campagne. Entretien de l'armée moins 10 pendant 10 tours. Bah, on n'a pas d'entretien et moins d'usure. Alors ici, améliorons ça. On va améliorer ça. Améliorons le char au niveau supérieur. Est-ce que si j'ai... Donc non, j'ai pas de mouvement malheureusement. Donc je vais me mettre là. Je vais pouvoir me reformer. Je vais aller chercher ça ensuite. Et direction les îles sorcières et la Chèque. Parce que là, si je déclare la guerre au royaume des dunes,
Ça me met dans une situation assez compliquée pour mes frontières. Surtout alors dans ce secteur, donc du côté de. Alors c'est la rivière des Cendres et de Khemri même. Donc je préfère éviter pour le moment. Et surtout que je devrais récupérer toutes ces cités, sachant que mes armées sont loin, ça risque d'être assez compliqué à gérer. Donc vaut mieux que je lève une autre armée ici. Alors Khemri, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des améliorations. Pour le moment, je peux rien faire de particulier vu que j'ai pas les fonds. Il faut que j'économise aussi pour recoloniser. Alors lui. Et lui, il faut pas qu'il devienne trop puissant non plus parce qu'après ça va être compliqué à gérer. Hein. Ça, c'est obligatoire. Alors je peux faire d'autres objets. Icône de règne. Je peux faire une autre arme. Masse enchantée en lapis lazuli. Eh bah, ça pourrait être bien pour un roi des tombes, ça. Alors, le dernier roi des tombes que j'ai. Enfin, le dernier gardien des. Le prince des tombes, pardon. Wolver, t'as pas d'arme, toi. Eh bah, je vais booster ta capacité de combat contre les unités larges. Hop. Pas de talisman, non. Bon. Je suis curieux de savoir l'armée qu'ils ont un petit peu El-Kalabad. Enfin, El-Kalabad pour voir parce que je suis en train d'y réfléchir. Mais bon, si on pouvait passer à l'offensive avant qu'ils se fassent bousiller, avant que la dynastie là se fasse bousiller, ça pourrait être pas mal. Non, pas d'accès militaire. Bâtiment construit, un quartier mortuaire et le port, le quai d'eau soit coffert. Oh, ok, c'est cool. On nous refait un peu d'argent. On va récupérer ceci. Donc on va se prendre de l'usure. Et grâce à l'objet, le bonus, on va en avoir moins. Alors. Taux de reconstitution des victimes plus 15%. Eh bah parfait. Maintenant on va foncer rapidement à la chèque. Donc en 3 tours on y sera. Le mont vautour, on va améliorer l'obélisque. Ensuite, ici, on a de l'eau, on a ce qu'il faut. Au niveau 3, on pourrait faire quelques ouchaptis, ça pourrait être utile à Khemri. Et le reste, pas de construction, j'ai l'impression. Alors attendez. Là, j'ai un autre obélisque, mais on a beaucoup d'ordre public. Les terres arides du sud, on a un obélisque, ça va pour le moment. Les ruines elfiques, on peut les améliorer. Eh ben, améliorons les ruines elfiques. Ça va booster nos revenus aussi de 75. Donc, on le prend. Alors. Parce que là, si on regarde bien, Thunderbolt n'est pas défendu. Ah, c'est tellement tentant d'attaquer, mais bon. Après, il suffit que leurs armées soient redéployées ailleurs et qu'on ait des ennuis. Et ça, je préfère non. Non, non, donc ce que je vais faire. L'armée de Cetra. Bon, je vais laisser là en attendant, on sait jamais, je vais réfléchir. Ou alors je vais attaquer directement celui qui est faible. Mais bon, combien il aura d'armée, c'est ça le problème. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire dans ce moment. Du coup, ça me permettrait de consolider ma position. Ah. Et ben au moins, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, c'est l'autre dynastie qui a tout raflé. Donc ça fait qu'il reste plus que deux rois des tombes à Nekara, donc nous, Khemri, et la dynastie, enfin le royaume des dunes. On va certainement, ensuite il y aura certainement une guerre contre eux qui va être proche. Dommage qu'on ne voit pas le confédérer. Non, non, tu rêves, j'ai pas de. Donc ça veut donc dire qu'il a une armée ici. Ok. Alors, tu viens là. Allez. Bon, on va vite régénérer nos quelques unités en moins. À quoi faire, on peut faire quoi? On peut faire de la poterie.
On va faire de la poterie tout de suite, comme ça on aura la ressource en plus. Puis de toute façon, c'est pas menacé directement la cité de Koffer, vu qu'il y a encore l'œil de la panthère et Marterk en première ligne. Là-dessus, on est tranquille. Ok, donc ça va être la grosse baston plus tard, ça c'est obligatoire. Ok, donc le livre de Nagash, je sais pas où il est. Ok, donc il y en a un là, il y en a un autre là, donc lui se rapproche de ce que je vois. Et l'autre, je sais pas, il est peut-être mort en mer ou... Il y a des éclairs, j'ai cru que c'était le livre, mais non, c'est pas lui. Ok, donc on va regarder au cas où. Donc lui, il faudra en récupérer. Faudra les récupérer, ces deux-là, ce serait nickel si on arrive à trouver leur force. En plus, celui-là, il donne un bonus de taux de recherche, ce qui peut toujours être utile. Et lui, il augmente l'efficacité des édits, enfin des ordres. Donc ça pourrait être utile pour leur public. On accumule de la population, c'est bien. Donc du coup, ça fait qu'on aurait d'autres ports en plus. Donc la Chiac et les îles sorcières, ça encore monte un peu nos revenus. Il faudra faire attention aux nains, faut pas les oublier. On les embête pas, ils nous embêtent pas, donc attention quand même. Nouveau rang de tenue donc pour Volver. Qu'est-ce que je vais te mettre? Embaumement dans l'élixir, ça augmente tes points de vie. Plus de résistance aux projectiles, c'est toujours très bien. On va booster l'entraînement pour l'expérience. Et le de nouveau prince aussi. Donc, volonté. Et on va te booster ta puissance des arcs et ton attaque en mêlée. Ce qui est toujours intéressant. Alors, si je te mets là. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais le chaos, il a fait la corruption gothique, elle a fait très mal. Je vais augmenter quoi? Réfléchissons un peu. J'ai toutes des villes au niveau 2. Belle Alliée est au niveau 1. On va peut-être augmenter au niveau 2, ils mettent une garnison. Et on va améliorer aussi ça pour augmenter un peu leur public. L'armée est affaiblie ici. En revanche. Je vais essayer de faire une attaque, j'ai une idée. Là j'ai quoi, j'ai une arche. Là j'ai rien de spécial, ok. Ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'attaque avec l'armée? Alors je vais passer, tant pis pour l'intrusion. Je vais me dépêcher d'y aller en marche forcée pour limiter les risques. Parfait. Pour aller voir ce qu'il y a de l'étang des espoirs, comme il est assez proche, pendant que Cetra lui occupe Elkalaba des Thunderbrook. Si on peut récupérer 4 des cités, ça serait parfait. Si on prenait la tour noire d'Arcane, ça serait encore mieux. Alors, surplus de population, code du cobra. Ok, donc là ça monte bien. Terre des derviches. On peut faire quoi? Une garnison, bah on va faire une garnison. Comme c'est la frontière, ce qui renforcera la présence militaire. Voilà, on va prendre un peu d'attrition, c'est normal. On va pas être du calife sorcier, on est un peu tranquille. Donc je vais le déplacer là. Et c'est là qu'après ce mouvement. Malencontreux, on va dire, j'ai une déclaration de guerre. Ah, ils annoncent un patch public bêta, d'accord, pour The Queen and the Queen. Usure roi Koros, ouais, c'est normal ça. Fallait s'y attendre. Go vite à la chèque, faut pas traîner. On va recoloniser tout ça. Je refais la cité. Heureusement ça coûte rien. On a pas trop, j'ai pas trop un plan de ce côté là. Donc
On est à une ville de unifier cette province. Toi, tu continues de foncer. Eh, à Bel Allied, on a de l'or en plus ici. D'accord, bah. Bon, on va s'approcher. Une armée de transfuges vient d'apparaître. Là, c'est une armée de 15, nous on a une armée complète. Eh, ça va être marrant, je pense. Un tour, on a la nouvelle technologie. Il faudrait que je fasse aussi cette technologie qui coûte, ça me rajouterait des nécrotectes. Et un prince des tombes, là ça rajouterait un autre prêtre liche. Et si on avait proclamé une des dynasties, ça serait parfait quoi. Genre celle-là, 5 de revenus commerciaux en plus, 10 de portée de campagne, moins 10% de coût de construction des bâtiments d'infanterie et de chars. Sachant qu'un bâtiment comme ça, ça coûte combien? Infanterie. Ça coûte 2000 de base, encore moins 10%, on passera à 1700, ouais. Mais bon, faut économiser. Hein. Pour le moment, on peut pas trop se le permettre. On fait tout pour booster nos revenus actuels. Déjà que avec le roi des tombes, l'économie, c'est la catastrophe, faut le dire. Parfait, je peux former une troisième, une nouvelle armée, donc j'ai tout de suite la recruter du côté de... J'hésite entre Khemri, je vais la recruter à Khemri, comme ça je pourrais former rapidement mes troupes. Alors c'est le roi commun qu'on a. Ah oui c'est vrai, j'ai pas fait les... Ah j'ai pas fait les rois des tombes spéciaux, c'est con ça. Ah j'aurais pu avoir des bonus, bon. C'est pas grave. Ils ont 16 unités là, ils ont un nécrotect. Lui est boosté. Donc je vais sauvegarder, on sait jamais. Et je vais déclarer la guerre. Ah bah, d'accord, j'ai compris. J'annule le pavillon d'invasion. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir, je pense. Hop, j'assume ce que je suis en train de faire. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça va être serré, d'accord, j'ai compris donc. Je vais sauvegarder. Je vais encercler en attendant. Donc, il a beaucoup de lanciers, j'ai pas mal d'archers, de chats. Son roi des tombes, il est anti-infanterie. Donc, est-ce que je suis meilleur que lui ou pas? Je suis meilleur que lui, hein. Lui il est anti-large donc contre ses archers, il a en tout ça ferait 4 archers contre 4, c'est plutôt pas mal. Et on a des archers montés. Ensuite, par là. L'armée de Cetra peut prendre Calabat, je pense. Ah même pas, c'est du 50-50, ok. Donc je vais poser les sièges. Je vais peut-être vous faire une bataille finalement. Je vais vous prendre les étangs du désespoir déjà pour commencer. Donc je vous retrouve pour l'assaut de la cité. Je retrouve pour la bataille des étangs du désespoir. Donc l'objectif ça va être d'essayer d'attirer une partie de l'armée avec nos archers montés et notre cavalerie vers notre corps principal. Essayer d'éliminer les héros ennemis. Donc. Alors ce que j'ai mis la cavalerie en première en avant-garde, l'infanterie derrière, les lanciers en réserve. Ils n'ont pas de cavalerie donc c'est un avantage. Ça nous laisse l'avantage de la mobilité, de la manœuvrabilité aussi. Les archers là, Volver et Shadow ensemble. Donc je vais les mettre plutôt ici pour mettre du soutien. Donc on y va, on va voir comment ils vont agir. Attention. Donc là, je vais déjà essayer d'utiliser. Alors les archers, ils ont combien eux? Ils ont 140, les nôtres ont 154. C'est plutôt pas mal. Essayons d'attirer leur attention. Il y a une nuée ici. Après, s'ils se concentrent sur les lanciers squelettes, pourquoi pas. On leur tire dessus, ils s'en moquent. Oh, ils ont de la portée finalement. Tiens donc. Ils ont combien? Ils réagissent pas, ils disent rien, ils s'en foutent.
Ah ouais, mais aussi du coup, c'est vrai que mes archers ont une meilleure portée, donc je pourrais peut-être commencer à faire un tir de harcèlement ici. Ah, il se bouge, c'est bien. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de bloquer ici. Je vais reculer mes tireurs là. Je vais, par contre là, ce flanc là, il risque d'être assez compliqué à tenir. Je vais plutôt en déployer 3 à gauche et 2 à droite. Bon, là-bas, il y a pas mal d'infanterie. Je vais mettre un lancier ici en soutien. C'est bien qu'ils viennent. On va pouvoir les piéger. Je vais dire aux archers de tirer sur ces charognards. Envoyons Toutmose et Wakaf s'occuper d'eux. Alors ici on a quoi? Des guerriers, logique. Est-ce qu'il y a un héros ici? Ah, il y a le Nécrotect, ok. Bon, on s'occupe d'eux tranquillement. Les archers, vous allez me tirer là-dessus. Les chars là, les archers ont tiré là. Alors par contre là on va essayer d'encercler. Je vais ramener mes deux héros là, donc on leur élimine une unité déjà. C'est quoi ça? Ouh, les guerriers squelettes là. Là c'est quoi derrière? On va tirer sur les gardiens des tombes. Alors toi tu vas encercler la mêlée. Walcav, tu vas venir là. En soutien. Que ça commence à se compliquer. Non, Waka, tu vas venir avec, tu vas te mettre là. Volver, tu vas soutenir ici. La cavalerie. Alors, les archers, vous allez vous occuper de ce lancier là. Pendant ce temps, il faut s'occuper des archers au fond avec cette cavalerie. Mes chars là, vous allez vous occuper de ces guerriers squelettes ici. On va y perdre pas mal d'hommes, mais nous aussi, hein, on va pas se le cacher. Vite, vite, allez par là. Alors, les guerriers squelettes, là, ils sont en train de s'envoler, c'est parfait. On s'occupe des archers dans le dos, c'est parfait. Ah, ils ont généré les Ushaptis, ça, ça pue. Attention. Wakaf, tu vas aller par là. Parfait, il y a déjà une unité de guerriers squelettes qui craque, c'est déjà un début. En revanche, là, nos unités, là, c'est compliqué. Il nous reste un ancien en réserve, on va l'amener là-bas. Alors, l'archer... vous, les deux, là, vous me tirez là. Toi, tu vas t'occuper de ça. Une petite frappe spéciale. Bon, c'est bien, on est en train de revenir, mais à vitesse grand V sur eux. On va pouvoir flanquer leurs archers, la mêlée là, ça va être parfait. Les chars là, vous allez foncer là-dessus. Invoquons les Ushapti pour rééquilibrer la bataille. Vite. Parfait, les Ushapti là sont en train de mourir. Toi, tu reviens là. Faudrait peut-être une petite char dans le dos ici pour libérer. Voilà, on a pris l'avantage hein, numérique. Grâce à nos archers. Contre les chars là, bip bip, vite. Walcaf ici s'occupera de l'autre. Là, si on fait une charge dans le dos, on peut libérer tout un front. Hein. Parfait, là, l'archer est en train de mourir. Vous quatre, vous vous redéployez là. Vous deux, vous chargez dans le dos. Normalement, vous avez assez de puissance, je pense. Les Ushapti qui nettoient. Parfait. Oh, j'ai laissé un ancien réserve. Bon là c'est bien, on a gagné, donc là c'est une bonne nouvelle. Maintenant on va terminer ça rapidement. Ah c'est maudit. C'est... Heureusement que j'ai. Dommage que j'ai pas encore de gardien des tombes parce que je vous avoue qu'il m'aurait bien été utile quand même. Alors, les deux chars. Chargés dans le dos là, vite. Bon, nos archers n'ont plus de munitions et c'est gagné. Pfiou. Putain, j'ai eu peur quand même. Ah, du coup, la victoire aux étendues des Espoirs. Ah, on va occuper la cité.
On va faire quoi? Il y a de l'or. La belle Aliade, on va mettre de l'or pour augmenter nos revenus de manière significative. Et ce sera déjà pas mal. Alors, des niveaux. Alors, Shadow, t'as passé un niveau. Je vais te mettre. T'as beaucoup d'infanterie. On va booster la défense des guerriers de squelette et des lanciers. Je vais te faire recruter quelques troupes que t'as perdu. Ah, quoi que là, t'as un. Lui là et lui, on va les fusionner. On va recruter un troisième. Alors, l'autre, il en est où lui? Lui peut aller recoloniser. Je vais juste passer le tour. En espérant que ce soit pas une erreur. Je vais voir un peu le ratio s'il a évolué. Non, pas vraiment. Ok, recherche disponible. Je vais booster la bénédiction de Walta pour les charognards. Perforation d'armure, défense et bonus de charge. Ça peut être toujours intéressant. Pourquoi pas avancer avec sur la retour d'Arcane bien aussi. Zetra occupe Kalbella. Donc je serai l'assaut au prochain épisode, ça je vous l'annonce. Comme ça on récupère une deuxième cité, puis peut-être une troisième avec Thunderbourg, ce qui nous ferait une belle opération. On reconstruit le port ici et la cité au niveau 2. J'ai pas besoin d'instrument de siège, j'ai mon bélier, j'ai mon archer des âmes damnées avec Zetra. Donc on va passer le tour. Et on s'arrête à l'organisation des îles sorcières. Par contre je me demande ce que ça va donner pour la pyramide nord de Nagash. Avec les armées qu'il va y avoir. Il reste beaucoup d'elfes. Le royaume des dunes, que fait-il? Rien. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah bah lui aussi, ok, très bien. Gratuitement. On va avoir une guerre contre les nains, ça va être compliqué cette histoire. C'est dû à ma trahison, ça je m'en doute, mais... C'est un peu sévère. La tournoire d'Arcane n'est pas défendue. On va l'avancer. Bon alors je crois qu'on va perdre le plateau perdu en fait. C'est une armée complète, je suppose. Ouais, c'est une armée complète, donc là c'est cuit. On perdra le plateau perdu, on le reprendra plus tard. Alors, ce que je vais faire, déjà je vais recoloniser les îles sorcières. Parfait. On va construire la cité. On met l'ordre d'Azaf en place. Et on va s'arrêter là. Donc ceci est la fin de l'épisode 7. J'espère qu'il vous plaira. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein de Total War Coliseum. Je vous dis au revoir les amis, à la prochaine.